une responsabilité à quoi ça le gouvernement. Parce que nous, jeunes du Nord Kivu 1, membres de l'Ensemble pour la République et du RGD, condamnons la tentative d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques des œuvres sociales du président Moïse Katumbi Chapwe, consistant à réhabiliter l'hôpital et la piste d'aviation qui y est rattachée dans la localité de Mulonde, territoire de Pweto, province du Haut-Katanga. Cette initiative vise la première personnalité de l'opposition de la République démocratique du Congo, intervient pendant qu'une vague de répression s'abat sur les opposants politiques et sur les activistes. Et ces renégats au sein de l'Union sacrée, que nous appelons Union sucrée, veulent faire taire toutes les voix discordantes afin de changer la constitution dans le but de donner un troisième mandat inconstitutionnel à Félix Tshisekedi qui est incapable de résoudre les problèmes de la République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas accepter le fait qu'une action d'un citoyen dont la seule motivation est de pallier la défaillance de l'État pour soulager la population et de répondre aux besoins primaires soit criminalisé. Face à cette situation qui ne fait qu'attiser les tensions au pays, nous jeunes du Nord Kivu 1, d'Ensemble pour la République et du RGD, appelons à l'arrêt de toute tentative tendant à faire taire et à faire régresser l'état des droits à travers le musellement systématique de l'opposition et toutes les voix dissidentes. 2. Soutenons toute initiative visant à renforcer la paix, la cohésion et l'unité nationale dont notre pays a besoin car profondément divisé et en guerre. 3. Demandons à la jeunesse et à toute la population de se tenir prête afin de s'opposer légalement au cas où ces gougnafiers oseraient toucher notre président. Ils sont incapables de résoudre les problèmes du pays, mais ils sont prêts à montrer leurs biceps à l'opposition républicaine et ces perfides ne doivent pas franchir les Rubicons. 4. Encourageons Moïse Katumbi et tous les autres acteurs et cadres de l'opposition à poursuivre les œuvres au service des Congolais dont le président Tshisekedi lui-même en est bénéficiaire. Il s'était servi, pour rappel, d'une piste qui était construite par Moïse Katumbi afin d'inaugurer un pont à Kasenga en octobre 2023. Et ses œuvres sont au service de tous, dont les gens de l'Union sucrée, en commençant par leur principale autorité, Félix Antoine Tshisekedi.